Moi, ça me fait plaisir toujours de venir causer des plantes parce que je veux vous faire partager un choc qui pour moi n'est jamais naturel vraiment. Moi, j'étais un petit Parisien contrarié. Je voulais venir vivre en Bretagne, là où habitait ma grand-mère. Et quand je devais revenir à Paris à la fin des vacances, c'était l'horreur. Enfin voilà. Donc je me suis dit, tiens, il y a un truc qui peut être sympa par rapport à ça, c'est de faire une formation agricole. Bon, c'est sûr qu'à Paris, là, je ne pourrais pas rester, donc c'était un bon plan. Dès la troisième, je m'inscris dans les lycées agricoles, Bréhoulou, Morlaix, Suscinio, Châteaulin. Mais en fait, non, on m'a répondu, il faut que vous restiez dans votre académie. Bon, alors l'académie à Paris pour les lycées agricoles, c'était, je me souviens encore, Bricomte-Robert, donc les grosses plaines céréalières et tout ça et tout. Pff, non, ça ne me captivait pas. Donc je suis resté. Ben là, c'était la troisième, donc, hein, donc du coup, ben, je suis resté jusqu'au bac, quoi, pour faire quelque chose, pour être quelque part, quoi. J'étais très déçu et tout de devoir continuer un cycle normal. Et puis pouf, là, je tombe sur un prof génial, quoi. On a tous eu un prof génial. Non, il y en a d'autres. Et là, vraiment, c'était cours de à l'époque, c'était sciences naturelles, donc. Il nous a passionnés, je dis il nous, parce que c'était toute la classe, c'était un phénomène, quoi. Hein, il nous a passionnés pour le corps humain, quoi. Et moi qui voulais faire un métier agricole, je tombe sur ce gars-là qui me passionne pour le corps humain. Bon, j'étais pas assez costaud pour faire l'étude de médecine. Hein. Et un jour, là-dessus, le catalyseur, ma mère m'achète comme ça au hasard un bouquin sur les plantes médicinales. Et là, je me dis, ben voilà, quoi. Ça peut faire vraiment, comme on dit maintenant, l'interface, quoi, entre les deux, entre. Un métier agricole, quoi, et le fonctionnement du corps humain. Voilà, et je me suis dit, ben, je vais cultiver des plantes médicinales, quoi, en gros, hein. Donc voilà, et je mets le petit doigt dedans, et évidemment que quand on met le petit doigt dedans, vous apercevez que, bon, un eucalyptus, voilà, hein. Un eucalyptus, lui, il va utiliser comme matière première, ça s'appelle de la terre. De la terre, donc de l'argile, un peu d'humus, du sable, des matières organiques évidemment, donc je dis de l'humus, puis toute une flore, etc. Donc quelque chose d'assez simple, hein, on marche dessus tous les jours si on veut. Il faut un ingrédient intéressant qui est l'eau, et avec un peu de terre, un peu d'eau, du soleil, eh ben, il va être capable, j'ai écrit gros hein, quand même, mais je ne vais pas les lire, hein, il va être capable de fabriquer, entre autres, hein, parce il y a 800 molécules dans l'huile essentielle d'eucalyptus, je n'ai pas écrit les 800, il va être capable de fabriquer tout ça, quoi, entre autres, quoi. Et avec ça, quoi. Et puis aussi un peu de ça. Et puis du soleil. Alors que nous, pour arriver à la même chose à peu près, il nous faut ça, quoi. Et donc, moi, ça me parle, quoi. C'est-à-dire que c'est assez fantastique, quand même, ce qu'il y a là-dedans. Hein. Parce que quand on veut faire pareil, qu'on va essayer de synthétiser la molécule pour ensuite la refabriquer, il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de déchets, etc., pour fabriquer la même chose. Bon, on peut voir un deuxième aussi, qui est à peu près pareil, quoi. Je ne vous commenterai pas la photo. Donc voilà, quand je vous disais un choc, voilà, moi ouais, ça se plaçait en termes de choc, je trouve ça fantastique, quoi. Qu'on puisse, voilà, qu'un végétal fabrique toutes ces choses-là. Dans quel but? Dans aucun but. Il n'y a pas de finalité dans la nature. Ou peut-être il y en a, mais ça serait peut-être. Bon, ça nous embarque dans d'autres discussions. Dans aucun but, mais en tous les cas. Comme on se fréquente depuis 400 000 ans, nous et lui, on est dans le même bouillon, quoi. Et donc, c'est évident que notre corps s'est habitué donc à ce règne végétal, pour se nourrir d'abord, et aussi pour se soigner, quoi. C'est à force de se côtoyer, quoi, qu'il y a une sorte de synergie et il y a une sorte de complémentarité entre l'aventure humaine. Et les plantes, quoi. Hein, donc moi, c'est ça qui m'a vraiment.
et qui continue, hein, qui continue aussi à, parce que maintenant, tout ça, tout ce que je dis là, c'est un peu théorique si on veut, mais quand on est là, avoir cultivé de l'eucalyptus, d'avoir enlevé les feuilles, les avoir mis à sécher, et puis qu'on arrive la tête enfarinée pour vendre notre feuille d'eucalyptus aux gens qui toussent, on se dit, ouais, mais peut-être, ouais, c'était joli dans les bouquins, ouais, c'est vrai que ça fait chouette et tout, mais bon, et ben ouais, et avec, bon, ça fait 35 ans que j'ai commencé, et avec la pratique, ben oui, on voit, ça marche bien, quoi, ça marche bien. Ceci dit, hein, bon, on a vu les deux photos là, moi, je n'oppose pas la médecine classique à la phytothérapie, c'est plutôt en termes de complémentarité. Mais cette complémentarité, elle s'exerce aussi, par exemple, quand, côté médical, on dit, bon, les plantes, mais que toute la journée, on passe son temps à prescrire de la morphine, qui est donc du pavot. Même les anticancéreux, hein, la pervenche de Madagascar pour les leucémies chez les jeunes enfants, l'IF dans les problèmes de cancer du sein, etc. Parce que souvent, bon, les plantes médicinales, bon, il y a un petit sourire de complaisance, on dit oui, bon, la petite tisane le soir ou quand on est enrhumé et tout. Mais non, hein, c'est quand même la phytothérapie, c'est quand même dans les domaines les plus aigus et plus pointus de la médecine, quoi, et de la pharmacie, quoi, surtout. Surtout que 75% à peu près des médicaments actuellement sont encore tirés, pas directement, parce que maintenant, après, on a fait de la chimie de synthèse, mais sont encore tirés du règne végétal, quoi. Donc, c'est une histoire qui est ancienne, c'est une histoire qui dure, et c'est une histoire qui a plein d'avenir, quoi. Qui a plein d'avenir, parce que là, nous, à notre position dans le temps, là, on se trouve un petit peu au pic, peut-être. Moi, j'espère pas vraiment, mais quand même au pic de la pharmacie moderne. Bon, les antibiotiques, découvertes majeures, évidemment, choses comme ça. Mais depuis quand même quelques dizaines d'années, ça patine un peu, quoi. Ça patine un peu. Il n'y a plus de médicaments majeurs qui sont trouvés, même si on progresse toujours un peu quand même, mais quand même, quoi. Et on pensait qu'on allait être dans une sorte de linéarité de croissance vers les solutions médicamenteuses. On s'aperçoit que non. La preuve, c'est que l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé... Bonsoir, Nicole. Ça va, elle arrive discrètement, c'est pour ça. L'OMS a lancé toute une campagne de ethno-pharmacologique, c'est-à-dire, les tribus de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui arrivent à soigner des tumeurs de la face, peut-être que ce n'est pas des trucs de sauvages complètement, etc. Donc, ils ont décidé d'inventorier un petit peu tout ce qui se fait au niveau mondial, au niveau de la phytothérapie classique et surtout par les gens, quoi. Voilà, donc c'est pour un peu parler de la complémentarité qui souvent est rejetée par la médecine classique et la pharmacie classique, alors que les deux sont vraiment connectés et imprégnés. Et puis si on veut des petites histoires comme ça, des belles histoires, c'est par exemple, on s'aperçoit que l'aspirine, quoi, donc qui a été tirée de l'écorce de saule par exemple, et aussi de la reine des prés, mais au départ de l'écorce de saule. L'aspirine, c'est un petit peu agressif quand même pour la paroi digestive, mais si on le prend sous forme justement végétale, on s'aperçoit que les tanins, les écorces sont très riches en tanins, hein, puisqu'on les utilise pour tanner même, les tanins qui sont contenus dans l'écorce de saule confèrent une protection justement aux parois gastriques par rapport à cet acide salicylique qui est un petit peu agressif de l'aspirine, quoi. Donc il y a cette complémentarité aussi. Et pourquoi ça? C'est pas parce que c'est un beau conte de fées, mais c'est parce qu'on est dans ce même bouillon, comme je vous disais tout à l'heure, depuis 400 000 ans, quoi. C'est-à-dire qu'on s'y est adapté, quoi. Il y a une sorte de fusion, quoi. Voilà, voilà. Voilà. Donc tout ça pour d'emblée dire, je suis pas en train d'opposer les deux systèmes, mais de faire remarquer la complémentarité qui peut s'exercer, quoi. Et à notre niveau, en première intention, on peut d'abord essayer la phytothérapie, puis en deuxième intention, si ce n'est pas suffisant, aller vers des choses plus lourdes. Et très souvent, en troisième intention, on revient vers la phytothérapie, quoi. Et puis, il faut considérer aussi que le médicament, c'est quelque chose qui concerne 30% de la population mondiale, quoi. 70% encore de gens dans le monde n'ont pas accès aux médicaments. Donc, c'est...
la médecine par les plantes, c'est pas un truc de bobos parisiens, etc. machin. C'est 70% des gens qui la pratiquent dans le monde, quoi. Donc, faut bien considérer ça en termes de géographie aussi, quoi. C'est que même au niveau économique, les gens qui se soignent avec les plantes, eh bien, c'est quelque chose d'intéressant aussi pour la société, quoi. Rien qu'au niveau du trou de la sécu, dont on parle toujours, ça fait faire aussi des économies intéressantes, surtout que souvent, il n'y a pas d'effet... Souvent, il y en a aussi, hein, mais moins d'effets secondaires, donc on a moins besoin de faire l'escalade des dépenses de santé. Il faut savoir que actuellement, les dépenses pour la nourriture s'élèvent à 11% du budget ménager et les dépenses de santé 13%. C'est-à-dire qu'on dépense plus de sous pour se soigner que pour manger, quoi. Bon, la médecine par les plantes aussi propose un atout aussi, c'est qu'il y a moins de phénomènes, maintenant on appelle ça l'iatrogénisation, c'est-à-dire les maladies, voire les décès par le soin médicamenteux. C'est assez rare le fait que les gens meurent avec soit des huiles essentielles, soit de la tisane. Et quand ça arrive, évidemment, on le sait. On est prévenu par la presse, par ceci, cela, mais moins prévenu des 20 000 cas par an qui sont liés justement aux effets secondaires ou aussi aux erreurs aussi de prescription des médicaments, quoi. On peut parler aussi par rapport aux plantes, c'est l'intérêt aussi qu'elles comportent par rapport au phénomène de résistance aux antibiotiques. Bon, on entend de plus en plus parler de ça maintenant et tout. On va se tourner pour certaines maladies de plus en plus vers les plantes, surtout vers les huiles essentielles, parce qu'elles elles sont intéressantes, elles n'ont pas d'antibiorésistance. C'est-à-dire que, par exemple, un germe pathogène, bon, il va avoir arrivé un antibiotique, c'est une molécule, quoi, une. Et avant d'être neutralisé, il va peut-être pouvoir l'identifier, sa géométrie, cette molécule-là, d'antibiotique. Et s'il ne meurt pas, il va donc exercer une résistance parce qu'il aurait identifié l'agresseur. Et donc, c'est comme ça qu'on développe des résistances, quoi. Quand, par exemple, de l'huile essentielle d'eucalyptus arrive sur un germe pathogène, il y a plus de 800 molécules qui arrivent. Et lui, le petit virus, il n'a pas le temps de copier les 800 molécules qui lui arrivent dessus. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas le temps de développer cette résistance, quoi. Et en ce moment, on en parle de plus en plus, cette résistance aux antibiotiques. Et là, je crois que la phytothérapie a de grands atouts, quoi. Bon, aussi, c'est intéressant aussi d'utiliser les plantes médicinales aussi pour se passer des psychotropes, même si des plantes médicinales sont psychotropes aussi, évidemment. Mais moi, je vois dans ma pratique, je n'ai pas une pratique de soins, évidemment, mais je veux dire, en vendant des plantes, bah oui, globalement, ça marche assez bien, sauf dans des cas très lourds qui dépendent d'autres choses, mais ça marche assez bien, les plantes, pour se calmer, pour se désangoisser et tout. C'est modifier l'état de conscience des gens, c'est beaucoup plus facile que de leur faire perdre des kilos, par exemple, quoi. Les plantes, par rapport à ça, sont assez efficaces. Et donc là, quand on pense aux conséquences, justement, des tranquillisants, etc., des somnifères et tout, là, les plantes médicinales sont forcément attractives, quoi. Et puis, donc, le potentiel que ça représente au niveau thérapeutique. Parce que si on estime le règne végétal à peu près à 800 000 espèces, on en a à peu près étudié 8 000. Donc, 800 000, 8 000. Et sur les 8 000, on en a tiré 170 000 molécules, quoi. Donc, imaginez qu'on en étudie encore un peu plus, quoi. C'est-à-dire que le potentiel est encore énorme, quoi. Et on peut même peut-être dire donc universel par rapport à nos problèmes, quoi. Donc il y a un potentiel encore énorme. On n'a fait que 8 000, on a étudié que 8 000. Et déjà sur les 8 000, ça fait 75% de notre pharmacopée, dont des médicaments majeurs, quoi. Les antirétroviraux sur le sida, c'est l'éponge de mer, c'est un petit peu hybride et tout ça, mais des médicaments majeurs sont quand même tirés des plantes médicinales.